amis, qu'est-ce qui vous est arrivé ce week-end? Vous avez eu un petit coup de mou, quoi? Bon, fin du jeu concours. Je vous ai demandé à quoi que ça servait, ça. Vous voyez, bah, j'ai eu le temps de me finir mon petit outil. Je l'ai bruni. Vous voyez, tout marron, là. Il est beau, hein. Ah, la vache. Ah, c'est une belle bête, hein. Bosse bien le vieux en menuiserie. Hein. Bon. Vous savez, ça c'est un bout de pain. En bois pas cher. Pour le brunir, j'ai pris mon chalumeau. Je ne me suis pas abusé avec mon briquet pendant une heure. Hein. Non, non. Un petit chalumeau. Pour faire brunir. Ensuite, je l'ai bien essuyé et je l'ai passé quand même. Là, il y a trois couches de vernis dessus. Il n'est pas encore tout à fait bien sec. Il faut 24 heures pour qu'il soit sec. Là, ça va. On sent qu'il est un peu cool. Bon. Ben, vous n'avez pas su que c'était. Ah putain, vous m'avez bien déçu, mes amis. Il n'y a qu'un seul mec. Pas trop con dans la classe. Malheureusement, je peux pas lui donner une note de 20 sur 20. Malheureusement, je ne pourrais pas lui offrir. Il m'a répondu uniquement qu'à peine à 50%. Même pas. Je dirais 49,9%. Il était pas loin, hein, il chauffait. Hein. Et pourtant, je lui ai donné un petit coup de pouce en plus. Et je lui ai donné aussi. Je l'ai guidé sur, comme on dit, sur la voie. Pour qu'il réussisse à me trouver qu'est-ce que c'était. Et non, les amis. Vous savez que ce c'est ça? Non, vous ne savez pas. C'est un chausse-pied. Ben ça, on l'appelait le chausse-piston. Pour chausser le piston. Voilà. C'est un truc qu'ils utilisaient en méca il y a longtemps. Et même maintenant, on utilise de moins en moins. Hein? On préfère plutôt casser la segmentation et forcer comme un enculé pour foutre le cylindre sur le piston. Non. En fin de compte, ça servait à bloquer notre piston. Ah oui. Ceux qui ont été faire des formations mécaniques et autres, hein, c'est marqué dans les notices. Voilà, tout simplement. Dans les notices de mécanique et de maintenance des moteurs. Même à l'époque, on faisait du bébé Peugeot. Là. Et on voit bien sur le dessin là, le fameux cale piston qui est en dessous. Voilà. Et ensuite, dans les monoclatures des moteurs, hein, dans les formations de moteurs, pour le cycle moteur, ils avaient encore repris le même procédé ici. Voilà. C'était pareil, l'outil, on l'utilisait. Je ne sais pas si vous verrez bien avec le contraste. Voilà. En fait, compte, il ne portait pas de nom hein, chez Peugeot. Hein. Non, non. Il avait une référence par contre. L'outil portait la référence 68 047. Voilà, tout simplement. C'est bête, hein. Bon, bah, Jean-Pierre Fabre, t'étais pas loin. Par contre, quand tu écris commentaire, excuse-moi, mais fais gaffe à ton orthographe. Waouh, j'ai eu du dur à te relire. Hein. Bon, déjà, t'es poli, tu dis bonjour. Ah, utilise un cale de ce genre pour tenir la bielle position haut lors du montage du piston à chaud. Bon, oh, j'ai pas trop compris ton commentaire. En fait, gros, ça sert pas tout à fait à maintenir ta bielle, non. Ça sert à maintenir ton piston, à le bloquer. Comme ça, tu peux ensuite mettre ton cylindre. Je vais vous faire voir. Là, je vous ai ressorti un bon vieux moteur de famille que j'ai monté en vitesse. Il n'y a pas de roulement à l'arrière, hein. J'ai monté un embillage, les goujons et un piston vite fait, bien fait. Voilà. Je vais vous montrer comment on procède pour pas que vous soyez trop con. Hein. Bon. Surtout vos segments, attention à vos goujons de derrière. Hein. Toujours le montage à l'arrière. Ensuite, vous prenez votre outil. Hein. Tout simplement, vous allez l'enquiller.
par en dessous. Voilà. Vous voyez que votre piston il tient droit. Bah, vous allez le centrer, tout simplement. Et vous allez le descendre. Bon, là, il est amputé. Voilà, vous voyez, il est amputé. Tout simplement. Vous le centrez plus ou moins droit. Voilà. Il soit amputé. Ensuite, quand vous êtes comme ça, vous regardez vos segments. Voilà. Ensuite, vous sortiez votre cylindre. Vous voyez, et sans forcer. Le piston n'a pas bougé, hein. Voilà. Ensuite, tout simplement, vous remontez un peu. Vous enlevez la cale. Voilà. C'est con, hein. Vous n'avez pas compris, hein. C'est normal parce que. Hein. Voilà le truc. Qu'on servait à l'époque pour bloquer notre piston, pour centrer notre piston, et après, boum, et on enquille le cylindre. C'est éviter de se faire chier pendant des heures à essayer d'enquiller tout ça et péter nos segments. Vous voyez, moi, je n'ai rien inventé. Hein. La preuve est là. Je vous l'ai faite. Tranquille, biloute. Et j'ai pas mis 3 heures pour monter un cylindre. Hein. Bon, pas sur ce, mes amis, fin du blabla de week-end. N'ayez pas peur pour l'allumage électronique. Hein. Je suis en train de le travailler. Comme je vous ai dit, il aura la version plus du digital. En fait, compte, on va créer nous-mêmes aussi le petit boîtier CDI. Ah. Ouais, bah, le petit boîtier CDI, ça vient pour notre allumage. Parce que sinon, je vous ai dit, en 5 minutes chrono, on aura fini notre vidéo. Non, non. On va créer notre petit boîtier CDI et voir aussi comment ça fonctionne, le système CDI. Voilà. Bon, bah, sur ce, les amis, je vous souhaite de passer un bon fin de week-end et cogiter à ce que je viens de vous dire. Malheureusement, je ne pourrais pas l'offrir. Hein? Peut-être je le remettrai en jeu. Mais vous voyez les amis. Ah, j'ai LG Motorsport. N'êtes pas des cons quand même. Et le vieux vous raconte pas tout le temps des conneries. Allez mes petits lapins, sur ce, à plus.